Bonjour Madame, Monsieur. Des recommandations pour venir à bout du terrorisme, c'est la mise en commun des réflexions issues des travaux du Forum sur le rôle des médias dans la lutte contre le terrorisme. Nous en prenons connaissance dans un instant. C'est la diplomatie qui est mise à jeu et à outrance dans le conflit qui oppose les États-Unis à l'Iran. Après l'interdiction faite par Washington et à ses compagnies aériennes de survoler tout espace aérien contrôlé par l'Iran, une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies est attendue. La situation inquiète et le Conseil européen s'en dit également très préoccupé. Une fois de plus, bonjour et merci de nous suivre. C'est par les nouvelles au ministère des Affaires étrangères que nous ouvrons cette édition entre le chef de la diplomatie burkinabé et le représentant de l'Organisation mondiale pour l'alimentation et l'agriculture. Il était surtout question d'une prise de contact ce 21 juin. Daouda Sow, nouvellement en fonction, est allé présenter sa lettre de cabinet au ministre des Affaires étrangères. Le compte-rendu de Idrissa Ouarga et Zoubaviel David Dabiri. Précédemment chargé du changement climatique du PNUD en Guinée-Bissau, Daouda Sow est le nouveau représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture au Burkina Faso. Il est reçu ce vendredi 21 juin 2019 par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération. Le nouveau représentant de la FAO est venu présenter sa lettre de cabinet au ministre Alpha Barry. Vous savez, il y a des problèmes liés à la sécurité. Donc, qui implique le déplacement de population. Nous, en tant que chef de file du système des Nations Unies pour l'agriculture et la sécurité alimentaire, nous allons accompagner le gouvernement dans ce domaine-là pour assurer qu'il a des mesures de renforcement de la résilience de sa population, de leur capacité d'accès à la nourriture, soit préservé et pour assurer aussi que toutes les priorités dans la réduction de la famine, la réduction de la pauvreté. La collaboration entre la FAO et le Burkina Faso a débuté depuis 1961. Celle-ci s'est consolidée avec l'ouverture de la représentation de la FAO et s'est axée sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers un appui technique qui vise à réduire la pauvreté et le renforcement de la résilience des populations. De nationalité guinéenne, Daouda Sow vient remplacer Aristide Ogoné Obame, qui a passé 4 ans et demi au Burkina Faso comme représentant résident de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Le bureau politique du Parti de l'Union pour le Progrès et le Changement tient sa rencontre statutaire ce 22 juin à Ouagadougou. C'est une réunion traditionnelle puisque prévue pour chaque 6 mois selon les textes du parti. Et c'est un huis clos qui est observé, mais il est prévu que toutes les questions de la vie de la nation soient abordées. Le président du parti se prononce au micro de Salifou Belem et Maïmouna Traoré. Un parti est rythmé par des activités, des tendances, des évolutions. Et c'est l'occasion, quand on a un BPN comme cela, d'en parler pour faire un peu le point sur la vie du parti. D'autant plus que, comme vous le savez, nous sommes depuis le mois de février dans des tournées au niveau des 45 provinces. Et on aura l'occasion d'ailleurs de tirer les premiers enseignements. Mais aussi de donner des directives en matière de gestion des structures, en matière d'activités. On ne peut pas ne pas évoquer les échéances à venir, en l'occurrence 2020. Que nous mettons au cœur de nos échanges avec nos militants chaque fois que l'occasion nous est donnée de les rencontrer. Et c'est l'occasion pour nous, quand c'est ce thème qu'on aborde là, de faire une analyse d'ensemble de la situation nationale et d'en tirer un certain nombre de conclusions et d'enseignements. Tous les maux qu'on avait dénoncés, qui avaient conduit à l'insurrection, sont là, et même en pire. L'État est géré sur la base du clientélisme et du copinage. La corruption est repartie de plus belle. Le système éducatif est en train de s'effondrer. Le système sanitaire est pour plus mal. Le dialogue social, voilà, qui a toujours été une pierre angulaire, en tout cas, de l'évolution des choses ici, est en panne. Mais le plus grave, c'est que notre vécu en commun entre Burkinabés est en train de subir quelque chose qu'on n'a jamais connu par le passé. Et le plus grave, c'est que quand vous interdisez, par exemple, à vous, qui est des hommes et des femmes responsables. Vous savez quelle information porter et quelle n'est pas portée. Mais là, c'est un projet de loi qui vous infantilise. C'est à eux de vous dire ce qu'on doit dire et ne pas dire. Ça pose un problème. Mais et la presse internationale, elle, est-ce qu'ils peuvent empêcher RFI de dire ce qu'elle doit dire? Et si RFI dit, ils font quoi?
Et cette autre question qui préoccupe, il s'agit du drame de Yirgu. Le collectif Femmes Debout s'en souvient et en appelle à la justice pour que toute la lumière soit faite. Ce matin, c'est devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou que ses membres se sont retrouvés pour un sit-in. Le reportage de Paul-David Bambara et Zoubaviel David Dabiré. 6 mois après le drame de Yirgu, aucune hausse de justice pour les victimes, les bourreaux vivent impunément. C'est le sentiment qui mobilise ces femmes devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou ce matin. Organisées au sein du collectif Femmes Debout, elles sont là pour dénoncer ce qu'elles qualifient de lenteur judiciaire et surtout interpeller. C'est pour montrer à nos autorités d'une part, cette alerte que nous avons lancée depuis janvier, elle est toujours d'actualité. Nous n'avons pas encore eu gain de cause. Bien au contraire, j'allais dire, la situation perdue et la situation se dérade. Donc voilà pourquoi il faut certainement dire qu'il faut faire quelque chose. Et selon les organisateurs, au-delà des questions judiciaires, le drame de Yirgu aurait engendré une crise humanitaire. Dans les camps dressés pour les déplacés, les vivres seraient en manque aux grandes dames des veuves et des orphelins. Aujourd'hui, nous portons cette calebasse la renversée pour signifier d'une part le manque de nourriture. Aujourd'hui, les déplacés, les veuves, les orphelins manquent de nourriture, ils manquent d'eau. Ils sont en train de mourir en grand nombre. Faute de soins aussi, mais surtout faute de nourriture. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est-à-dire retourner la calebasse, représente pour nous aussi ce ras-le-bol qu'il n'y ait pas d'avancée. Tous ici espèrent une implication plus soutenue des autorités politiques et judiciaires pour un traitement diligent du dossier Yirgu. Cela y va de la cohésion sociale, tonne en cœur le collectif Femmes Debout. Ne pas vivre les conséquences du terrorisme suppose venir à bout du phénomène. Et pour le cas du Burkina, plusieurs efforts sont attendus, comme le rétablissement de la confiance entre les différents acteurs, la création d'espaces de sensibilisation ou encore la formation des journalistes. Ce sont là quelques-unes des recommandations du Forum sur le rôle des médias dans la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Organisé par le groupement des éditeurs de presse publique, il s'est achevé hier après 48 heures de travaux. Détail complet avec Roger Kam et Frédéric Etienne Basenga. Après 2 jours passés à éplucher le rôle des médias dans la lutte contre le terrorisme, le groupement des éditeurs de presse publique de l'Afrique de l'Ouest formule des recommandations. À l'endroit des médias, le GPAO recommande la création d'espaces de sensibilisation sur le vivre ensemble et la spécialisation des journalistes. Le GPAO appelle également les gouvernants à faciliter leur travail et à valoriser les médias nationaux. Quant aux institutions sous-régionales, il est attendu d'elles qu'elles équipent et forment les journalistes, en plus des projets et programmes éducatifs à développer en collaboration avec les médias pour la paix et la sécurité. Nous avons eu la chance d'avoir la présence du président du FASO et les travaux ont été également très riches. Nous avons pu avoir des interventions d'une densité qui nous a tous, je dirais même, émus. Et de la sorte des résolutions que nous allons nous employer à appliquer. Il s'agit de faire en sorte que les hommes de médias et les hommes de ceux qui travaillent dans la sécurité puissent coopérer, puissent collaborer pour que nous venions ensemble à bout de ce monstre qui est en train de tenter de détruire notre région. Une Afrique qui trouve elle-même ses solutions, l'exécutif burkinabé apprécie l'initiative et ne doute pas de l'impact de ses réflexions sur la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest. Votre participation au Forum de Ouagadougou a été utile. Elle a permis de poser les bases d'une action concertée portée par la sous-région. Nous avons plein espoir que cette contribution portera ses fruits dans le quotidien des populations de la zone du G5 Sahel. C'est une évidence, mais également un impératif pour les Africains de trouver eux-mêmes des solutions endogènes aux problèmes africains pour l'accompagnement, avec l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers. Un comité scientifique est mis en place pour poursuivre les réflexions entamées. L'ambition est d'assister le G5 Sahel, l'UEMOA, la CDAO et de façon générale, toutes les organisations qui militent pour le renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance, la paix et la sécurité, les droits de l'homme et la liberté de presse.
Chargé de réguler les médias au Burkina, le Conseil supérieur de la communication travaille à être une institution plus forte pour les 5 années à venir. Pour ce faire, il va se doter d'une feuille de route et familiariser son personnel à sa déontologie administrative, à l'éthique professionnelle et à sa vision. D'où un atelier de formation et de partage d'expériences ouvert le 20 juin à Fadane Gourma. Nous en apprenons davantage avec Presley Kiemtoré et Mahamadi Ouedraou. Les membres du collège des conseillers et les responsables administratifs du Conseil supérieur de la communication sont autour d'une même table à Fadane Gourma. Ils renforcent leurs capacités sur la déontologie administrative, l'éthique professionnelle et la régulation du secteur de la communication au Burkina Faso. C'est de pouvoir former nos cadres sur les techniques de management afin de renforcer leurs capacités managériales pour que la vision que nous allons décliner là, il soit à même de porter cette vision-là. Avec toute la dynamique qu'il y a au niveau social et au niveau politique, il y a pas mal de dérives qu'on observe, notamment sur les médias audiovisuels, dans les émissions d'expression directe. Nous allons aborder ces questions-là également pour voir comment est-ce qu'on fait pour que tous ces acteurs médiatiques-là puissent aider à renforcer la démocratie dans notre pays, mais aider aussi à faire face aux défis sécuritaires. À l'issue des travaux, ces acteurs vont élaborer une feuille de route qui leur permettra de travailler à maintenir la cohésion en leur sein, mais aussi de redynamiser l'institution afin qu'elle soit un outil de développement et de la démocratie. C'est un nouveau conseil qui préside aux destinées de la structure. Il était nécessaire que nous puissions tracer la voie dans la prospective, pour mettre en exergue ce que nous voulons pour cette maison, pour en faire un instrument véritable de consensus fort au service de l'ancrage de la démocratie dans notre pays. Et cette vision sera accompagnée d'actions concrètes sur le terrain durant les 5 ans. Le Conseil supérieur de la communication entend par cet atelier donner à son personnel les capacités et les bases solides qui leur permettent de se prononcer sur les questions essentielles du secteur de la communication. La santé des plus petits, l'État s'en préoccupe et y travaille à travers le ministère de la Santé. C'est d'ailleurs ce dernier qui a procédé au lancement du premier passage de l'année des journées nationales de supplémentation en vitamine A+, de déparasitage et de dépistage de la malnutrition aiguë. La campagne concerne les enfants de 6 à 59 mois et se déroule du 21 juin au 20 juillet prochain. Elle devrait permettre la réduction de 23% du taux de mortalité sur les couches concernées. Kwale Nebié et Ini Janine Kambiri. La petite Raina Tukonombo et ses camarades viennent de recevoir chacune la vitamine A+ et un comprimé déparasitant. Le secrétaire général du ministère de la Santé lance ainsi le premier passage de l'année 2019 des journées nationales de supplémentation en vitamine A+, de déparasitage et de dépistage de la malnutrition aiguë au profit des enfants de 6 à 59 mois. Faire en sorte que les enfants puissent bénéficier de la supplémentation en vitamine A, mais également qu'on puisse leur donner des médicaments pour les déparasiter contre un certain nombre de parasites intestinaux, les vers intestinaux, mais également pour qu'on puisse faire le dépistage et de façon avancée des situations de malnutrition. Pour cette campagne, les partenaires techniques et financiers accompagnent le ministère de la Santé en termes de mise en œuvre et de planification de l'activité. Nous contribuons à peu près à hauteur de 500 000 dollars américains, qui constituent d'une part l'achat de capsules de vitamine A et de mébendazole, mais aussi la participation au coût opérationnel de l'activité. Cette campagne qui se déroulera du 21 juin au 20 juillet sur toute l'étendue du territoire national vise à réduire le risque de diarrhée et de rougeole, stimuler le système immunitaire et réduire jusqu'à 23% le taux de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Ceux qui seront détectés malnutris seront référés vers des services de prise en charge nutritionnelle.
Autre point de l'actualité, il y a du nouveau pour les entrepreneurs avec le programme Cash Transfer et Fonds à coût partagé. C'est une innovation de la Maison de l'entreprise en partenariat avec la Banque mondiale. Le lancement est intervenu à Tenkodogo à travers une foire dite de l'offre et de la demande. 800 jeunes entrepreneurs et 30 associations y ont pris part. Coût du projet, 3 milliards de francs CFA. Retrouvons nos correspondants sur place, Aimé Douamba et Ibrahim Sanou. 800 jeunes entrepreneurs et 30 associations issues des 9 communes de la région du Centre-Est ont bénéficié du programme Cash Transfer et Fonds à coût partagé lancé par la Maison de l'entreprise. Cette foire de l'offre et de la demande se veut un cadre de partage d'expériences et d'informations entre bénéficiaires et exposants. C'est pour faire de cette activité une réussite que nous avons décidé d'organiser cette foire, pour que les bénéficiaires et les prestataires et les fournisseurs de services puissent être sur un même lieu et se rencontrer. Et cela va faire en sorte que chacun saura choisir quel est le partenaire qu'il lui faut. Le pays ne pourra atteindre ses objectifs de développement qu'avec la participation du secteur privé. Et le secteur privé dont on parle, ce sont ses opérateurs ici. Donc je crois que c'est important qu'ils prennent conscience de ça et qu'ils prennent conscience du fait qu'ils ont une responsabilité presque personnelle pour l'avancement de ce pays sur le plan économique. Des rencontres B2B entre prestataires et bénéficiaires, des échanges avec les exposants, bref, les bénéficiaires ont tout ou presque tout pour mener à bien leur projet. Nous sommes convaincus que cet appui facilitera la réinsertion des jeunes tentés par l'aventure. Nous tenons particulièrement à remercier la Banque mondiale, la Maison de l'entreprise. Les couveuses que vous voyez, ça nous permet d'optimiser la production de la poule locale. Avec une couveuse, vous pouvez passer de 4 à 5 cycles de production par an, par poule, à 13 cycles de production par an, par poule. 130 œufs, soit 130 œufs par poule par an. Cette cérémonie de lancement a été symbolisée par la coupure de ruban et une visite des stands par les autorités. Cet autre espace dédié également aux jeunes entrepreneurs, mais spécifiquement pour ceux qui excellent dans le numérique. Il s'agit de Ouaga Digital Show. La trouvaille est de l'agence de marketing digital Focus Digicom. Pour la première édition, la digitalisation de l'Afrique, impact et développement de l'entrepreneuriat féminin sera au cœur des communications qui seront livrées. Les détails avec Omar Zombré. Visite des stands des startups burkinabè, e-finance, e-agriculture, e-gaming, entendez par là conception et réalisation de jeux électroniques. Toutes ces entreprises évoluant dans le secteur du numérique sont ici représentées à cette première édition de Ouaga Digital Show, une plateforme d'expression, de réseautage pour les startups naissantes, mais aussi celles qui sont déjà confirmé. Ouaga Digital Show, elle va permettre aux acteurs du digital, notamment les start-up, qui généralement sont des entreprises, des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir une visibilité, d'avoir la chance de voir un jour leur projet financé. Parce qu'au-delà des start-up, nous envoyons sur ce forum des potentiels bailleurs de fonds, des financeurs, à travers nos différents partenaires. La culture du numérique doit impérativement rentrer dans les mœurs des Burkinabés. Foi des parrains de cette édition qui se sont tous fait représenter. Pour eux, le développement se conjugue également à l'ère du numérique. C'est une initiative donc qui rentre en droite ligne de la conviction du ministre de l'Énergie, qui, vous le savez bien, est un promoteur donc du digital à travers l'association Open Education et qui permet donc aux élèves et aux étudiants d'avoir en ligne les curricula pour se former. Et l'ambition du maire de la commune de Ouagadougou, c'est de faire de notre capitale une smart city. Et faire de Ouagadougou une smart city passe forcément par la tenue de manifestations comme Ouaga Digital Show. Le thème de cette première édition est « Digitalisation de l'Afrique, impact sur l'entrepreneuriat féminin ». Au cours des 48 heures de Ouaga Digital Show, les participants auront droit à plusieurs communications données par des spécialistes du numérique au Burkina Faso.
Et c'est parti depuis hier au Caire en Égypte pour la 32e Coupe d'Afrique des Nations. Le match d'ouverture a opposé le pays organisateur aux Warriors du Zimbabwe. Grâce au but de Mahmoud Hassan Trezeguet, les Pharaons font une bonne entame de compétition en s'imposant 1-0. Les temps forts de la rencontre avec Salif Ouedraogo. L'Égypte assure le strict minimum en match inaugural de la 32e Coupe d'Afrique des Nations. Face aux Warriors du Zimbabwe, les Pharaons, sans être flamboyants, rentrent vite dans le match. Dès la deuxième minute, Mohamed Salah sur ce centre crée la frayeur dans le camp zimbabwéen. Puis à la 8e minute, El Saïd, à la conclusion de ce beau mouvement, trouve Simbanda sur son chemin. Il faut attendre la 37e minute pour voir une véritable opportunité des Warriors. Ils ont joué rapidement, il n'y a pas de position de hors-jeu, il aurait pu frapper la traite. À 4 minutes de la pause, Mahmoud Hassan Trezeguet débloque la situation pour les Pharaons. Attention sur cette frappe, c'est le but. Ah oui. Le septuple vainqueur de la compétition est lancé. Et dans la foulée de cette ouverture du score, Mo Salah se signale, mais manque le cadre. L'on retrouve la star de Liverpool en seconde période. Cette fois, il est mis en échec par le portier zimbabwéen. Les tentatives de Mounetsi à la 71e minute et de Karourou à la 77e ne changent rien au coup de sifflet final. 1-0 pour l'Égypte. Le pays organisateur réussit ainsi son entrée en matière. Cérémonie d'ouverture très courte mais très efficace. Merci. Et l'autre affiche du groupe A se joue aujourd'hui entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda à partir de 14h30. À 17h, le Nigeria et le Burundi s'affrontent pour le compte du groupe B. À 20h, la Guinée sera face à Madagascar. Ce sont des rencontres à suivre sur la RTB via la TNT pour ceux qui ont bien sûr leur décodeur à jour. Et dans l'actualité internationale, les États-Unis en appellent désormais au Conseil de sécurité des Nations Unies dans le conflit qui les oppose à l'Iran. Une réunion est attendue pour ce 24 juin. Washington a également décidé de l'interdiction de survol par ses compagnies nationales de tout espace aérien iranien. Un conflit dans le ciel, mais surtout une bataille d'images. L'Iran a diffusé des images du drone américain que son armée a abattu jeudi. Alors qu'il survolait son espace aérien, selon le régime de Téhéran, il était dans l'espace aérien international, ont protesté les États-Unis. Le missile sol-air a touché l'engin au-dessus de la mer d'Oman. Donald Trump a alors décidé de mener une opération de représailles contre des cibles militaires. Il l'a annulée à la dernière minute. L'information parue dans le New York Times a été confirmée par le président américain avec force détail. Nous étions prêts à riposter contre trois sites différents quand j'ai demandé combien de personnes allaient mourir. 150, m'a-t-on répondu. Alors 10 minutes avant la frappe, je l'ai stoppé. Ces tensions grandissantes entre les États-Unis et l'Iran inquiètent en Europe. Nous suivons la situation de près et nous sommes très préoccupés des derniers développements dans cette région du Golfe. Mais il n'y avait aucune raison que l'Union européenne adopte une position spécifique. Je pense que nous réagissons ici de manière responsable. Le gouvernement des États-Unis a interdit jusqu'à nouvel ordre aux compagnies aériennes américaines le survol de l'espace aérien contrôlé par l'Iran dans cette région en qualifiant de risqué de tels vols. Les compagnies néerlandaises KLM et allemandes Lufthansa ont pris une décision similaire. Et c'est tout pour cette édition. Excellent après-midi pluvieux à tous. À demain, Dieu voulant.